Yo, bande d'origine, c'est Darkmoon et aujourd'hui on se retrouve sur Minecraft hein, pour vous présenter le pack de textures déco de la semaine avec la map qui est en train de se update. Hein, on va remettre le jour. Voilà, merci madame. Donc on va commencer tout de suite avec les. Avec un lapin dans l'eau, c'est fou. Avec les graines de betteraves, les pommes de terre. Pommes de terre. Non, ça doit être les plantes pommes de terre. Oui, c'est ça. Les pommes de terre, les pommes de terre empoisonnées, les carottes, hein, les carottes sont cuites, hein, tout simplement. Alors avec les plantes betteraves plutôt comme ça c'est les patates, et ça c'est les carottes, qui sont sympathiques, hein, c'est jaune, mais tout de même pas mal. Ah, ok, d'accord. Avec le blé, qui est joli aussi. J'aime bien aussi les pousses de melon, ça donne un aspect que j'aime beaucoup. On va juste voir, voilà. Ça c'est les graines, ça c'est le blé, ça c'est le pain. Sympathique ce petit pain avec les graines de melon et de watermelon, mais qui craque. Ça, c'est les machins du Nether. Oh! Qui change de couleur. Sympathique ça. Avec les petites. Cocobines. Je sais plus c'est quoi son nom en français. Donc, on va rentrer dans le palais. Dans le palais fou. Par contre, il y a des petits bugs de. Enfin, des petites baisses de FPS. Ça m'énerve un peu. Donc, avec un arc plutôt sympathique. Des têtes des mobs, hein, comme vous pouvez le voir. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est des flèches. On s'en fout. Les pelles. Pelles en diamant, c'est assez sympa. Hein, en haut. Qui brille, comme vous pouvez le voir. Attendez. Voilà. Vous avez vu le truc en or. Ça, c'est la hache. Si j'ai pas de conneries. Le four. Pour le coup, c'est vraiment un four. Les bibliothèques. Les coffres. Ça, c'est quoi? C'est une table de craft. Oui. Donc un petit lit, oh un petit lit plutôt sympathique hein, pour ceux qui utilisent encore des lits en 2007. Donc ça c'est différents types de soupes, le melon, le gâteau à la pumpkin, les cookies, les pommes d'or qui sont magnifiques avec la pomme rouge. Mais regardez-moi cette pomme rouge digne des meilleures Blanche-Neige et les sept nains. Les betteraves cuites du coup, tac le gâteau qui est magnifique aussi hein, le gâteau. Hein. Qui est juste magnifique et qui voit un gâteau, il est comme un dingue. Donc le seau d'eau, le seau de lave, ah non, le seau de lait, le seau de lave, le seau d'eau, le seau ben, à poil, les épées. Oh, j'aime bien ce petit sabre là. Donc là, c'est plutôt une dague et la paire en diams qui est pour le coup est assez sympathique. Même les blocs scintillent comme vous pouvez voir. S'il vous plaît, madame. Voilà, merci. Alors. Du coup, ça c'est des bouteilles d'enchant, hein, on peut se les balancer à la gueule. Ça c'est les potions. Donc ça les. Oh, les petites plantes, hein, c'est sympathique. Les bouquins enchantés. La table d'enchant, qui est sympathique aussi, qui est très jolie. À moins que ce soit ça les bouteilles d'enchant. Ouais, il me semble que c'est ça. C'est ça les bouteilles d'enchant. J'ai dit de la merde. Mais je me suis rattrapé, hein, tout va bien. Donc les armures, sympathiques. J'aime beaucoup l'armure en or, l'armure en diamant, c'est aussi sympathique, hein, bien entendu. De toute façon, tout le monde utilise cette connerie. Ah, merci madame. Non. Est-ce qu'on peut sprinter? Voilà, merci. Donc, le forêt. La forêt, j'ai dit donc. Voilà, merci. Oh, bonjour madame. Bonjour. Donc, j'aime bien les feuilles. Je crois que c'est le deuxième pack où les feuilles sont à peu près similaires. Avec. Oh. Oh, ça c'est trop beau ça. Ça c'est la folie. Donc avec encore un lit d'une autre couleur, les tables de craft, je vous les ai montrées, les sirènes magnifiques. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Il y a certaines feuilles qui sont améliorées. Donc, le biome savane avec des portes très jolies. Voilà, par contre si ça pouvait marcher. Voilà. Le jeu. Ouh. Calmez-vous. Ouh, mon ami. Voilà. Oh. Mais il a quoi le jeu? J'ai plus de RAM ou comment ça se passe? Bon, on s'en fout. Donc ouais, plutôt, on voit des trucs assez pirates hein, dans le, bon, les sirènes aussi hein, pour le coup. C'est maintenant que je viens de m'en apercevoir. Donc avec, oh, petit villageois sympathique, des torches sympathiques aussi. Hein, pas se mentir. Je dis beaucoup ce mot hein, aujourd'hui. Hein, c'est la journée. La jungle. Oh, avec la porte qui est plutôt pas mal. Putain, avec les petits mossy. Les mossy blocks là, les melons, toujours. Ça c'est bien chatoyant, comme dirait un certain Roxas. C'est très joli, moi j'aime beaucoup. Avec la forêt des bouleaux, hein,
toujours la petite porte. Avec le Kraken, hein, bien entendu. L'un des meilleurs, hein. L'Hunter Chest, hein, comme vous avez pu le voir. Je passe rapidement parce que c'est dans votre intérêt aussi de ne pas rester trop longtemps. Les poulets, qui sont normales, hein, finalement. Donc, oh, les nénuphars. Certains, il y a même des petites fleurs. Regardez-moi en relief, elles sont magnifiques. Elles sont même en dessous, on peut les voir. C'est assez bien foutu. Les échelles, que j'aime bien. Ils sont cool. La vérité, ils sont cool. Du coup, les poissons magiques, les Nemo, bah, les pumpkins. Citrouille, voilà, j'ai trouvé le mot français pour les citrouilles. Un biome Tenga avec des loups plutôt. Oh, plutôt nice. Il a quoi dans le dos, lui? Ah non, mais c'est une fleur. C'est juste que les fleurs avec ce pack sont vachement grandes. Ce qui fait que, ben, là, ça m'a surpris. Mais bon, passons. Alors ça, c'est plutôt de type désert, avec les bambous qui sont bien jolis, j'avoue. La longueur n'est pas tout à fait la même partout, ce qui donne un petit effet assez sympathique. Hop. Voilà. Les cactus, qui sont beaux aussi, hein, faut pas se mentir. Avec... J'aime bien ces effets sur les blocs. Tous les blocs sont pas tous pareils, hein. Il doit y avoir 2-3 ou 2-3 blocs. Regardez, même les cactus avec les petits twins comme ça, qui donnent un effet un peu plus réaliste au pack. Enfin, en tout cas, moi j'aime beaucoup. Toujours le bateau. Le bateau qui est plus joli avec un petit peu d'or, avec des têtes de pirates, enfin des têtes de mort pour le coup. Des petites pagaies là. Ça met plutôt bien. Ah, avec une fleur blanche, maintenant, avant elle était rose. Toujours aussi joli. Donc, ça, c'est la maison des witches. Merci. Donc, voilà le chaudron, les petits bails chelous par terre, hein, petits champignons, on appréciera. Donc, on va continuer. Là-bas, il n'y avait rien. Ah, si, je voulais peut-être vous montrer les deux, trois petits effets. Les explosions, fort. Explosion, explosion. Le feu, le critique, pour ceux qui mettent des coups. Magic critique. La table d'enchant de feu. Voilà, ça change pas d'habitude. Les fours, plutôt type qualitatif. Ça, c'est quoi? C'est les notes. Bon, ça change pas trop non plus. Tac, 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 tac. On s'en fout, on s'en fout. Voilà, donc tout pour ce qui est plutôt avec l'eau, avec la lave. Ça, c'est sympa. Je pense que je jouerai. Oh, les cave spiders qui sont pas mal. Les loups tout noirs. Ça, c'est quoi le portail? Un petit witch. Yeah, ils font peur. Hein. Montez pas, ils font peur. Donc, du coup, on va descendre. On va descendre même de type gentiment. Pour apprécier les mobs. Ah, merci. Voilà, merci. Pour apprécier les mobs, donc les vaches de biome vache, hein, tout simplement. Avec les bons petits steaks de cochon, là, ça fait plutôt plaisir. Bons petits steaks de vache qui reprennent un petit peu toujours l'os. Hein. Là, il n'y a toujours rien eu, donc je ne sais pas pourquoi ça m'étonne encore. Les côtelettes de lapin, les poulets, le deuxième loup, je sais. Ah oui, loup domestique, ou petit collier. Les Endermen, bah, que là, pour le coup, vous allez voir. Les petits bonhommes de neige, ça qui rappelle un petit peu le four. Hein. Merde, je lui mets un coup, c'est pas grave. Donc des pirates en guise de villageois, hein. Enfin, ouais, des corsaires, des pirates, hein, des conneries comme ça. Vous connaissez les bails. Plutôt tout ce qui est type poney zombie dessouné. Et ça, c'est quoi? C'est le poney de... Comment on appelle ça, merde? Le poney de l'effroi, tout simplement. Avec le coquillasse, là, qui est plutôt sympathique. Petit creeper, un petit peu de type autiste, hein, mais c'est pas bien grave, le creeper chargé. Les cave spiders, qui sont très jolis. Et c'était les spiders de base. Mais je préfère les spiders de base, du coup. J'aime bien ces couleurs-là. Avec bah, le petit squelette, qui est sympathique. Les petits zombies, qui font... Ils sont un peu horribles, hein. Pas se mentir. Tac, tac, tac. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, c'est les poissons. Mais ils sont jolis. Ils sont bien bleus. Ils sont. J'aime bien. J'adore les couleurs de ce pack avec les poulpes rouges. Plus pour l'effet Kraken, je pense. Avec ça, c'est les ghasts. Enfin, les slimes du Nether. Oh, il est joli. Il a le Silverfish. Les Blaze. Le truc du Nether, là. Comment c'est quoi cette merde? Avec tout ce qu'il y a en mode ocelote là, les petits chats, les lapins. Hop. Oh! Le lapin. Ça s'appelait comment ça déjà? Pas dans Minecraft, mais le lapin-garou! Voilà, c'est fou. Pour ceux qui connaissent, hein, c'est une très vieille référence, mais je pense que sur certains de nos abonnés, il y en aura certains
qui sauront de quoi je parle. Donc là, je passe un petit coup sur les chevaux parce que bon, c'est tous les mêmes. Les moutons, qui eux, on les aime, donc on va regarder un petit peu vite fait. Ah, comme vous pouvez voir, oh, j'aime bien les couleurs, les colorants. J'aime bien comment c'est foutu, regardez. Des petites fioles. En plus, c'est pas le même motif suivant, suivant la couleur, donc c'est assez sympa. Ah, ça, c'est du menu. D'ailleurs, je vous ai pas montré. J'ai peut-être fait une connerie d'ailleurs. Voilà, un petit creeper, hein, ça met toujours bien. Je vous montrerai le. À la fin. J'ai oublié de vous le montrer au début, je suis complètement con. C'est pas grave, on s'en fout. On va continuer, et puis je sauterai de la forteresse en mode homme, plus tard. Voilà, tout simplement. Donc, on était à pas là. Donc, la cave. Oups, c'est pas grave. Donc, avec des wagonnets de type comme ça, de l'or, ça c'est les minerais, donc du lapis, de la redstone, de l'or, d'émeraude, du diams, de fer et le coal, hein, tout simplement. Ça c'est toiles d'araignée qui sont sympathiques, le fer, le charbon, le diams qui est joli aussi. Tac, c'est quoi ça, ça bon, c'est le fer, tout simplement. Ça c'est quoi? Ouh, qu'est-ce que c'est? Non, c'est pas grave. Ça doit être, tu sais, les petits. L'émeraude, hein, bien entendu. La stone. Tac, les petits wagonnets. Qui sont assez bas de caisse, hein, pour le coup. Mais j'aime bien, c'est sympathique. Le lapis qui est là. Qui est présent. Et ouais, on a fait le tour de. C'est rapidement, mais sûrement. Avec la petite enclume qu'on n'avait pas vue jusqu'à là. Qui est ici. Qui est assez jolie. Donc le nether, hein, je vous apprends rien, bien entendu. Avec le quartz qui est un peu plus vert. Un peu plus verdâtre, il est pas aussi blanc que. Oh, j'aime bien en blanc en fait. Donc ça me dérange pas, mais c'est. Je préfère en blanc quand même, on va pas se mentir. Donc ça c'est le l'under. Donc avec le château de l'under. Ça c'est quoi ces couilles déjà? Je sais plus. Ça c'est pour taper dedans pour lui faire péter sa vie. Le dradra, je vous le montrerai en vrai en haut, hein, bien entendu, hein, ça va me faire un peu bugger. Le biome Mesa, donc ça c'est les différents types de clés. Qui sont sympathiques, qui ont tous le même pattern du coup, c'est juste la couleur qui change, à part le blanc. Ouais, à part le blanc et le rose, il me semble. Non, non, c'est la même chose, c'est juste que c'est moi qui suis assez bigleux pour pas l'apercevoir. Donc, ça, c'est les donjons de l'eau. Je sais plus comment on appelle ça. Bon, bref, passe vite fait. Ça, c'est, j'adore cette couleur bleue comme ça. Du bleu de type lapis, ça fait toujours plaisir. Donc là, les mushrooms, qui sont vachement sombres pour le coup. Qui sont sympathiques, hein. De toute façon, on n'en croise pas assez pour s'en rappeler. C'est bien dommage, hein. C'est con, ce petit biome comme ça. Le biome des fleurs, les biomes des fleurs de l'amour, tout ça. Donc si vous êtes fleuriste, les copains, comme toujours, hein, c'est votre biome. Donc, ah oui, un de mes biomes préférés, le biome neige, avec la glace, c'est joli. C'était plus joli l'autre fois. Peut-être que je ferai un mix de packs, je ferai mon pack à moi. Enfin, pas vraiment, du coup, je vole des autres packs, mais vous m'avez compris. Ça sera le mix spécial spécial The Dark Moon. Spécial Dark Moon, oui. Et merci madame. Hop, on va sortir. On n'a plus qu'un étage, hein, finalement. On peut rusher. Hein. La Redstone. Bon, je l'avais fait péter l'autre fois. Qui a aucun respect. Donc. Non. Oh, chaud. Bah oui, ça commence à faire pour le Nether. Je suis pas trop fan de l'effet, perso. D'ailleurs, ça me fait bugger à mort. S'il vous plaît, madame. Ah, je suis rentré dedans. D'accord. Je suis rentré dedans. Bon, bah, du coup, pour le coup. Ouais. Les heures très sombres. Hein. On va rentrer à la maison. Vous voyez, avec ces petits effets qui étaient sur la laine de tout à l'heure. La laine de la même couleur. Donc, l'Under Dragon, ça c'est pour aller dans la laine. On va pas y aller. On fait comment pour le faire popper? On tape dedans? Non. Comment déjà? Ah, petit bouton. Ouais, c'est joli, hein, comme vous voulez voir. En violet comme ça, c'est pas mal. Très franchement, j'aime beaucoup. Oh, maintenant. Ouf. Ah oui, mais je plane, c'est vrai. Je crois que j'ai les ailes. Du coup, on va se foutre en survival. Foutre ça par terre. Et voilà un petit peu comment l'inventaire est fait, donc c'est sympathique. Avec les ailes qui ont été changées, hein. Attends, je vais mettre ça. Non, voilà. Ils sont vachement jolis du coup. Et voilà, je pense que c'est à peu près tout, hein, pour ce pack. J'espère que ça vous aura plu avec les numéros, je ne sais pas montrer mais je n'ai pas vu.
simplement. J'espère que ça vous aura plu et n'hésitez pas à regarder aussi les autres hein, si vous les avez pas vus. C'est toujours sympa. Moi, j'aime bien tourner ce truc de. C'est assez reposant en rentrant du boulot. C'est assez sympathique. Enfin bref, je vous laisse sur ça, hein, tout simplement. Avec le dragon là-bas qui gueule comme un porc. Et je vous dis à la prochaine, les amis. C'est Dark Moon. Tchou.